Hey les amis, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez tous la patate, et oui les amis, et oui, on est de retour, enfin pour une vidéo, c'est Moti dans 5-5, on est là, on est tous ici, on est bien aujourd'hui, et oui, aujourd'hui je vais vous présenter la bêta de The Division 2, les amis. Allez, lancez l'intro, et je vous explique tout après. Tac! Maintenant que l'intro est passé, on va pouvoir tout simplement parler de The Division 2. Alors effectivement, je joue sur PC là. J'espère qu'il va pas y avoir trop de merde. La dernière fois, le gameplay n'a pas trop marché quand je l'ai vu. Alors là, j'ai pris... je suis sur deux écrans. Hein. Je vous le dis, je regarde ce que je suis en train de filmer. Donc vous me voyez tourner la tête actuellement, mais c'est parce que je regarde si ça bug pas. Les amis, tout simplement, on va présenter la bêta de The Division 2. Ça me fait tellement plaisir, et oui, parce que je vais tout vous expliquer. C'est un peu comme les jeux, vous allez dans la boutique de Epic Games et vous pouvez vous prendre The Division 2. Alors, c'est un jeu qui coûte quand même 70€, hein. On est tous au courant du prix que ça coûte. Mais avec mon code promo, vous pouvez l'avoir moins cher. Donc, et je sais que c'est un très bon jeu. J'ai joué au 1, c'était quand même excellent. Donc c'était beaucoup de... c'était en ligne, en permanence. Il n'y avait pas de solo réellement. Si, vous aviez du solo, mais on pouvait toujours être accompagné par 2-3 gars qu'on ne connaît pas. Un peu à la façon Destiny. Mais sauf que là, c'est Division, c'est un monde complètement dévasté. Et apparemment, là, ça va se passer à Washington. Ok, les mecs. Bon, bah voilà. On est parti pour la petite présentation du jeu. Donc, j'espère que cette fois-ci, ça va pas bugger. Je suis sur PC, hein. Vraiment, je vous le redis. C'est ma deuxième tentative. C'est pour ça que je suis déjà avancé un petit peu. Je ne voudrais pas faire voir beaucoup du jeu. Mais je vais quand même vous faire voir quand même graphiquement ce qu'il vaut. Parce que ça vaut le détour. Et tous ces avantages quand même. Allez, c'est parti, on va avancer un petit peu. Allez, un petit coffre, ça fait du bien. Allez, tout prendre, écoute, hein. On va pas se faire chier. Allez, c'est parti. Ok. Faut aller là-bas. Alors vous voyez, retrouver Odessa, Shawa au théâtre, c'est écrit en haut. En plus, c'est bien affiché. Vos personnages peuvent être sélectionnés comme le 1. Vous pouvez choisir votre personnage, le créer. Créer votre personnage comme vous le souhaitez. Ça tire en tout cas dans le coin. Je l'avais pas vu lui, excuse-moi. Ah ouais, ça tire là-bas. Pourquoi il tire de loin avec son fusil à pompe, le con? Allez, crève, ordure. Eh ouais mec, je suis là moi. T'inquiète. Ok, ok. Attends, je vais aller le voir lui. Ah. Ok. Pas l'air d'aller. Pas l'air d'être dans une grande forme. Bon, voilà, en tout cas le jeu est très joli. À première vue, hein, il a l'air très joli. Hein, pour moi, c'est un jeu qui
qui peut être plutôt pas mal pour la suite. Ah merde. C'est par là qu'il faut aller en plus. Allez, c'est parti, on va continuer un petit peu d'avancer. En tout cas, moi j'aime bien, hein, franchement, moi j'aime bien un peu activer. Ah ouais, ça c'est comme les anciennes... Okay. This is serious. It's the flu. You remember swine flu? Everyone freaked out for nothing. You'll see. In a couple of months, no one will even remember what the dollar flu was, like Y2K. Ok, bah on s'en fout un petit peu. On n'est pas là pour ça, on est là vraiment pour présenter le jeu. Il y a encore les trucs du 1, de The Division 1, pour ceux-là qui ont joué, ils doivent savoir. C'est les hologrammes qui représentent une histoire, quelque part comme ça, quelque chose comme ça. Ah, ça c'est des pattes. Les refus chauds des havres d'habitants qui s'opposent aux factions hostiles qui sévissent en ville. Servez-vous des refuges pour acquérir de nouvelles missions principales, missions annexes et autres activités. Grâce à votre aide, les refuges s'amélioreront et vous accorderont du personnel que vous pourrez ramener à la base d'opération. Forcément, parce qu'il y a beaucoup de... Ils sont en recherche de personnel pour pouvoir... Leaving safe area. Ah. Agent requesting backup. Ok. Turn around and go home. There's nothing for you here. Appel entrant, l'agent parcourt à nouveau lieu de déblocage, compétence. Ah oui, ok, il fallait que j'aille là, tout simplement. Oui, j'allais tout droit. Voilà, d'accord, ok. Il faut que j'aille là-dedans, vous voyez, il y a des petites bases. Alors, vous avez la Maison Blanche aussi, vous l'avez peut-être pas vu, mais je l'ai fait juste avant. Il y a la Maison Blanche où vous pouvez y aller, c'est votre grande base secrète, là. Que vous pouvez améliorer vos compétences, etc. Vos armes, acheter pas mal de choses, etc. 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 Le refuge du théâtre, les amis. Et ben voilà, on y est. Alors. Alors si je voudrais, ouais, il faudrait faire l'histoire, mais je suis pas là pour vous montrer l'histoire, pour vous spoiler l'histoire, pour ceux-là qui veulent vraiment l'acheter, comme je vous ai dit, vous allez dans la boutique Epic Games, les amis, vous commencez à prendre le jeu, c'est-à-dire The Division 2, il y aura le lien aussi dans ma description, et vous prenez, donc vous cliquez directement sur le lien, vous faites pas chier au lieu d'aller dans la boutique Epic Games. Vous prenez le jeu, vous mettez votre carte bleue ou je sais pas trop quoi, votre moyen de paiement. Arrivez là, au-dessous du prix, vous avez une encoche écrit code créateur. Et là, vous mettez mon pseudo, les amis, c'est-à-dire Moti955. Et là, pour vous, c'est tout bénef. Voilà, vous avez le jeu à moins cher, comme ça, pour vous, c'est tout bon, c'est tout est nickel. Les refuges ont besoin d'aide à mener à bien des missions de refuge pour améliorer l'ensemble d'un refuge et des missions annexes pour débloquer des améliorations spécifiques. Chaque amélioration de refuge offre de nouveaux projets et de missions annexes pour ce refuge. L'amélioration des refuges permet le recrutement de nouveaux personnels à la Maison Blanche. Interagissez avec ces personnels pour les recruter et débloquer des services à la base d'opération. Voilà. On va essayer de retourner dehors.
juste pour la fin de la mission, parce que je veux pas non plus trop vous montrer. En tout cas, vous pouvez créer votre personnage comme au début. Graphiquement, il est très joli, il n'y a pas de souci, ça, il n'y a pas à s'en faire. Moi, j'aime bien, franchement, personnellement, moi, je le trouve très joli. Bon, je joue sur PC, faut l'avouer. Après, ça n'a rien à voir que sur console, sur PS4, je l'ai pas encore testé. Mais sur PC, croyez-moi, ça vaut le détour. Voilà, théâtre, voilà. Impeccable. Ah là là, la bêta privée, les amis. La bêta privée. On va essayer de chercher un petit peu de kill vite fait, histoire de se faire un petit peu de gameplay un peu plus. Je crois que j'entends des tirs. Je crois que j'entends des tirs, les amis. Oh. Attends. On se merde. Attends, je me soigne. Alors, pour se soigner, c'est la... Enfin, moi, je suis avec une manette de PS4, les mes amis. Donc, ça n'a rien à voir. Je suis pas clavier-souris, vous le savez. Mais en tout cas, le principe, c'était pour vous présenter. Mais en tout cas, pour ceux-là qui veulent jouer avec la manette... Pour se soigner, c'est flèche de droite. Hein. Et logiquement, pour envoyer les grenades, c'est flèche. Ok, il n'y a plus personne. Impeccable. Oh putain, il m'a envoyé une grenade, l'enfoiré. Ok! C'est qui le roi là? Oh! Alors! Bande d'enfoiré! Ah, en fait, c'est bien restreint. Hein. On voit bien que c'est une bêta. On n'a pas le droit d'aller dans tous les endroits possibles. Mais au moins, ça nous donne un petit coup, un petit aperçu pour le jeu en lui-même. Fédéral Triangle là. Oh! Oh mais attends, il y a du monde là-bas. Hostile control point identified. Oh, yeah, il va y avoir de l'action, les gars. C'est moi qui vous le dis. Trop con, là. Voilà! T'inquiète, mec. Ouh! La petite grenade. Il a voulu m'envoyer une grenade. Tiens, crève. Ordure. Hop là. Ah. Ah, je suis mort. Je suis mort. C'est pas grave. Les amis, voilà, en tout cas, c'était vrai. J'allais dire Rainbow Six. Non, The Division 2, les amis. The Division 2. En tout cas, il est là. Et grâce à moi, vous pouvez l'avoir moins cher. Et je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit ce qu'il faut le faire. Ce qu'il faut faire pour l'avoir moins cher. Donc, allez-y. Faites-le dès maintenant. C'est pour vous, les amis. Ça me fait plaisir. Yes. Allez, ciao, bye. À la prochaine.